Allô tout le monde. Dans le fond, j'avais dit que je ferais un petit récapitulatif de la course. Donc voilà. Premièrement, je voulais vous remercier de m'avoir suivi, de m'avoir supporté. Les messages que j'ai reçus sur le groupe en privé, ça me touche. Puis ça fait plaisir à lire. Puis c'est vraiment motivant aussi. Donc merci. Puis merci. Merci à ma copine Magali. Merci à ma famille, mes parents, mon oncle, ma tante. Merci à Catherine, Justin, la sœur puis le beau-frère à Magali qui sont venus m'encourager. Pour vrai, si j'avais pas eu Mag, si j'avais pas eu ma famille, je suis pas certain que je me rendais jusqu'au bout. Donc voilà. Juste faire une petite introduction courte. Dans le fond. J'avais recommencé à m'entraîner à peu près en janvier. Là. Après Arikana, j'avais été magané un petit peu l'année passée, musculairement, puis les chevilles et tout. Mais en janvier, j'ai recommencé à courir en sentier. Puis je me préparais pour faire le 110 km au QMT, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore de 160 de prévu sur l'événement. Puis je m'entraînais pour faire Arikana. Puis finalement, quand j'ai appris qu'il y avait un 100 miles, 160 km, ben j'ai transféré mon inscription dans la journée même, je pense. Fait que ça a été, j'ai su ça peut-être au mois de mars, un truc comme ça. Puis 100 miles, dans le fond, en trail, c'est la distance mythique. C'est les plus grosses courses dans le monde, les courses les plus mythiques, que ce soit la Diagonale des Fous, que ce soit l'UTMB, que ce soit la Western State Endurance, c'est des courses de 100 miles. Fait que, puis en plus, là, c'est le premier 100 miles linéaire qu'on a au Québec, donc qui est pas, exemple, un deux boucles de 80 km. C'est vraiment comme on part du point A, on s'en va au point B. Fait que j'étais bien content de participer à ça. Fait que je me suis entraîné fort, mais j'ai fait plus de volume que pour Arikana. Je pense que j'étais arrivé plus près. Fait qu'on arrive là-bas le soir de la course. Je me rends là avec Magali. Il faisait beau. Il faisait chaud. Il faisait humide. Ça a été quelque chose au début de la course. Fait que, on s'installe sur la ligne de départ. Il y a moi, Guillaume Barry, il y a Jérôme Bresson, il y a Benoît Gaillard, qui sont parmi les favoris. Avec nous, il y a Dave Clément qui est là. Puis un que je connais pas encore, Sébastien Roulier. Puis il y a Charles-Olivier Laporte. Fait que c'est pas mal tous les gars qui on s'est challengé pendant la course. Fait que, ils donnent le départ. Puis moi, je connaissais pas la première portion de la course. En fait, j'avais fait des reconnaissances sur d'autres parties, mais je connaissais pas la première portion. Puis j'ai été surpris de constater qu'il y avait plus de sur le départ, il y avait quand même une couple de kilomètres à faire sur l'asphalte. Je le savais pas. Fait que moi, je donne le départ, puis je pars en avant, puis je donne un bon pace en partant pour me positionner pour quand on va rentrer dans le bois que je sois bien positionné. Puis en même temps qu'on part, on part tout un peu vite pour montrer un peu aussi aux gars. Qui est à craindre sur la course. Fait que on passe un bon pace, on était peut-être autour de 4-15 kilos. Puis à un moment donné, j'étais en avant, Jérôme Bresson dessus, Charles-Olivier Laporte, puis il y a comme un pack qui se forme en arrière avec Guillaume, Benoît, Dave Clément. Je pense pas mal ça. Fait que à un moment donné, ça fait comme 15-20 minutes qu'on court, puis que je commence à me dire, crif, on a pour combien de temps à courir sur l'asphalte? Ça taxe en partant pour un 160 kg, puis il fait chaud, il fait humide. Fait que je ralentis, puis je laisse les autres me rattraper. Puis je laisse Jérôme, puis Charles-Olivier s'éloigner. Puis on finit par rentrer dans le bois. Fait que là, la trail commence et tout. Fait qu'on suit les gars. Jusqu'à temps qu'on ressorte du bois à un moment donné, puis qu'on revienne sur l'asphalte, puis qu'on descende une bonne côte sur l'asphalte. Fait que moi, je l'ai pris relax, celle-là. Économiser les quads en partant, parce que je sais que ça va être taxant en dos Mont-Saint-Anne, là, avec un 170 kg d'impact, redescendre par la. Je sais pas si on y connaît à Libéris, mais à descendre à pic. Fait que je slack un peu. À ce moment-là, je me retrouve avec Dave Clément, puis Sébastien Roulier, qui est pas trop loin derrière. Puis on s'en va comme ça, on laisse Guillaume Barry, on laisse Benoît Gaillard, on laisse Charles Olivier, on laisse Jérôme Bresson aller.
Puis je me rends comme ça jusqu'au premier ravitaillement. Puis au premier ravitaillement, là, je vois Mag. J'arrive tout seul, j'arrive avant Dave, puis avant Sébastien. Puis Mag a dit, t'avais l'air déstabilisé, mais je l'étais. Premièrement, on est 1 heure d'avance sur ce que j'avais donné comme temps à Magali. Puis deuxièmement, il y avait plus d'asphalte que je pensais, il fallait rouler plus que je pensais, les gars allaient vite, il faisait chaud, il faisait humide, je buvais plus que d'habitude. Ça partait carré. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai dit à Max, dis-moi, je slack le pace. J'essaierai pas de remonter ma position. Je suis cinquième. Je vais essayer de garder ça. Puis si je gagne des positions, c'est parce que ça va casser en avant. Puis j'ai dit, je te le dis, ça va casser en avant. Je peux pas croire qu'ils vont tout tenir à ce pace-là jusqu'à la fin, dans la température qu'il fait. Ça va être une course d'hydratation. Ça va être une course de gestion d'hydratation. Ça va être ça. Puis celui qui veut, c'est ceux qui vont le mieux s'en sortir, c'est ceux qui vont être debout à la fin. Fait que je repars. Magali est un peu inquiète. Elle voit que je suis déstabilisé. Mais bon, pendant que j'étais là, Sébastien est passé. Puis il m'a dépassé. Moi, je le connaissais pas, ce gars-là. Je savais pas c'était qui. Puis je vois bien qu'il me dépasse. Fait que je me retrouve, je pense, sixième à ce moment-là. Fait que je pars en arrière. Puis je le rattrape pas tout de suite. Puis je rentre dans le sentier. Puis là, je suis le sentier, mais à un moment donné, je cours. Puis je vois plus de fanion Québec Mega Trail. Fait que là, je continue à courir, je me dis, je vais en revoir un à un moment donné, puis habituellement, tu sais, ils sont quand même assez rapprochés, les fanions, mais là, Christy, j'en vois pas. Puis eux, des fois, ça arrive qu'ils en mettent pas pendant un bout si t'as juste une trail à suivre. Tu sais, tu peux comme pas te perdre. Mais moi, je commence à me dire, hey, y avait-tu un embranchement que j'ai manqué, là? Parce que j'en vois pas. Puis moi, c'est ma grosse peur, là, surtout la nuit, là, de perdre le sentier. Pas de me perdre moi, mais de me tromper de chemin, puis de perdre du temps sur la course, puis de devoir revenir sur mes pas et tout. Fait qu'à un moment donné, je me dis, ok, là, je continue encore 2 minutes, là, puis si je vois pas de fanion, je reviens d'abord. Puis c'est ça que j'ai fait. J'y en avais pas, j'étais comme, fuck, man, je me suis trompé, je reviens d'abord. Ça a pris peut-être 1 minute. Dave arrive. Dave, il dit, t'es dans le mauvais sens. Je dis, ouais, mais man, c'est parce qu'il n'y a plus de fanion, la promo n'est pas sur la bonne track. Il dit, oh, ouais, on est sur la bonne, j'ai pas vu d'embranchement, nanana. Finalement, on continue, il me dit, ouais, il n'y en a pas de fanion, hein? Fait que là, finalement, il dit, attends, je vais checker. Fait que là, il sort son sel, puis il y a une application sur laquelle était le trajet que moi, j'avais pas loadé, parce que je pensais pas qu'il y avait le trajet de 160 dessus. Fait qu'il dit, ah oh ouais, man, c'est le bon chemin, puis tout. Fait qu'on reprend, on continue, puis à un moment donné, j'ai fini par voir un fanion, j'étais bien content. Fait que je m'éloigne un peu, puis à un moment donné, on arrive à une autre place où ce que ça disait de virer à gauche, mais il y avait comme un chemin forestier, puis la trail était comme juste après. Fait que c'était maintenant un peu, il y en a qui se sont trompés là. Fait que comme j'étais pas trop loin devant lui, je me suis dit je vais y rendre l'appareil, fait que je l'ai attendu pour lui dire hey Big, trompe-toi pas, prends le sentier. Puis à partir de là, je suis reparti tout seul, j'ai fait un bout tout seul, à peu près jusqu'à ouais, quasiment jusqu'à l'autre ravito. Là j'avais dit à Mike ça va prendre 3 heures à peu près, puis après à peu près 3 heures, puis à partir de là jusqu'au Mont-Saint-Anne, là, les temps que je disais à Mike que je vais passer à telle station, c'était pas mal tout, j'étais pas mal tout dessus. Fait que je gardais comme mon heure d'avance. Ben, j'ai grugé tout le temps un petit peu de temps. Je pense qu'à un certain moment, j'avais 2 heures d'avance rendu à Saint-Tite-des-Caps, à mi-parcours, sur le temps que je m'étais fixé au départ. Fait que, c'est ça. Là, je fais un bon bout tout seul. Puis, rendu en haut du massif, on a une portion vraiment technique à faire. C'est des sentiers de raquettes l'hiver. Fait qu'on a une portion vraiment technique. Puis, je rattrape Sébastien Roulier. Ça m'a comme pris 3 heures à aller chercher. Il me laisse passer là-dedans, vu qu'il voulait pas trop prendre le risque dans le sentier technique. Puis là, j'arrive au massif. 5 heures de course de fait, ça va bien. Je suis plus trop déstabilisé, je commence à bien gérer. Je me prends de la bouffe. Mag est là à m'attendre avec une chaise de camping qu'elle avait dans son char. Je suis vraiment content parce que j'étais content de pouvoir m'asseoir. Fait que je m'assois un peu, je mange. Je refais des forces, je refile mes gourdes. Puis là, Sébastien arrive en arrière de moi. Il arrête. Que ce soit les marches. Puis attends que je reparte. Fait que quand je pars de là, il part tout de suite derrière moi. Fait que vraiment, il s'était dit, lui, je le lâche pas. Fait que je fais 2 minutes à peu près, puis ça faisait 5 heures de course. Puis Christy, ma batterie, elle marche plus dans. Ben, elle était vide. Dans le fond, ma batterie était finie, était déchargée dans ma frontale. Je pensais pouvoir faire 8 heures avec. Finalement, j'ai fait 5, mais c'est vrai qu'il y a une partie de la course quand je t'ai perdu. Où j'ai pas mal utilisé l'intensité la plus forte, puis dans ce temps-là, ben ça décharge plus vite.
Fait que je m'arrête, je change de batterie. Pendant ce temps-là, Sébastien continue, mais je m'en vais aller chercher un peu plus loin. Puis à partir de ce moment-là, on fait un bout ensemble, puis on fait connaissance, on commence à jaser. Puis finalement, c'est un gars qui a beaucoup, beaucoup d'expérience sur les ultras. Il a fait l'UTMB, il a fait la Western State, il a fait des courses beaucoup plus longues que ça. Ça fait comme aussi 20 ans qu'il court et tout. Fait qu'il connaît son affaire. Puis on commence à se dire, ouais, pour moi, ça tiendra pas en avant, tu sais. On va prendre notre pace, puis ça devrait bien aller. Fait qu'on fait un bout comme ça, on jase, c'était vraiment le fun de pouvoir courir avec quelqu'un. Puis à un moment donné, on continue, puis à un moment donné, on voit un gars sur le bord. Il venait de vomir, c'était Charles Olivier. Celui qui était deuxième jusque-là sur la course, il courait après Jérôme Bresson. Chaleur, humidité, pèse trop élevé, ça a été le premier qui a cassé. Il a vomi, puis tout. Fait qu'il a demandé s'il était correct. Il dit, ouais, je devrais être bon pour me rendre jusqu'au prochain ravito à pied. Fait que finalement, il n'a pas terminé la course. Fait que nous autres, on continue. Puis on court encore un petit bout ensemble, moi puis Seb. À un moment donné, il pogne comme un high. Fait qu'il dit, je vais en profiter. Fait que là, il prend les devants. Puis je l'ai pas revu avant un bout. Hein. J'ai pas revu avant Cap Gribben, qui est le dernier ravito avant Saint-Tite-des-Caps. Il était, à partir de ce moment-là, il était une couple d'heures en avant. Puis moi j'étais une couple d'heures à courir de ça. Mais là j'étais rendu dans le sentier des caps, puis je connaissais, à partir de là, je connaissais le parcours. Fait que j'ai fait pas mal en entraînement. Fait que je passe à Cap du Salut. C'est drôle, je me souviens pas du Cap du Salut, comment c'était fait le ravito. J'ai vraiment un blanc rendu là, mais je me souviens d'avoir demandé Seb, ça fait longtemps qu'il est passé, puis ils m'ont dit, ah, oh, ça fait pas trop longtemps, mais il est pas resté, ben. J'ai dit, ouais, il a pas collé ici, hein. Ils disent non, j'y vais coller à Gribben. L'autre ravito après, qui était une coupe d'or après. Fait que je me ravitaille là. Fait que je continue ma route. Puis le prochain ravito, c'est Cap Gribben. À ce moment-là, Cap Gribben, t'as peut-être, je sais pas, un 60 kg de fait, rendu là. Fait que t'approches de Saint-Tite-des-Caps. Fait que je fais toute cette portion-là tout seul. Puis commence à faire clair. Fait que on arrive au petit matin. Jusque-là, alimentation, ça va bien. Hydratation, ça va bien. Je prends des électrolytes. Je mélange un peu avec du coke, mais je prends surtout des électrolytes. Je mange mes patates. Je mange des jujubes. Je mange au ravito, banane, orange, melon d'eau. Des fois des fudge, un peu de chip. J'irais bien jusque-là, mon alimentation. J'irais bien mon hydratation. Fait que là, ça allait. J'arrive au Cap Gribben. Seb a collé là. Fait que je l'ai rejoint, c'est là que je l'ai rattrapé. Fait que tant qu'à m'avoir avec lui, il attend un petit peu pour repartir avec moi. Ça tente pas de repartir tout seul. Fait que on se ravitaille comme faut. Puis là, quand on repart, on se dit bon, on approche de Saint-Tite, c'est encourageant. Mais je repars plus vite que lui finalement. Puis là, je l'ai distancé un peu. Fait que là, je fais toute la portion. Jusqu'à Saint-Tite-des-Caps, tout seul. J'arrive là, mi-parcours, on passe comme en dessous de l'autoroute, en dessous d'un viaduc, les deux pieds dans la flotte. Je monte en haut de Vincent Champagne, le rédacteur du magazine Distance Plus qui prend photo. Puis à ce moment-là, je suis quatrième. Fait que, Maguela, là, je suis en forme, moi, ça va bien. Fait que je me ravitaille, ils font mon check-up de stock. Fait qu'il y avait un commissaire qui était là, savoir si t'as tout le matériel obligatoire, sinon t'es disqualifié. Fait qu'il vérifie mon stock, je me prends de la bouffe, prends le temps d'aller aux toilettes. Puis là, qui joue? Guillaume Barry, qui est assis avec une couverture sur lui. Course terminée. Chauffe. Il me dit, ça va, gars? Mais je dis, ouais, ça va, pis tout. Il dit, je pense pas que je vais continuer. Je dis, ben là, t'as peu, là. C'est vrai qu'on est parti vite, mais il reste 80 kilos à faire. T'as le temps, là. T'as le temps de revenir. Fait que, tu sais, j'ai dit, refais-toi une santé, mais il faut que tu repartes. Puis là, pas longtemps après moi, il arrive Sébastien Roulier. Sa copine l'attendait là aussi, à Saint-Tite-des-Caps. Fait qu'on est moi, Guillaume, Sébastien, mais Guillaume qui est pas certain de repartir. Fait qu'à ce moment-là, il y a Jérôme Bresson, puis il y a Benoît Gaillard qui sont devant nous. Puis nous autres, on est les trois à la station. Fait que je reste là un petit bout, je m'assois, je prends le temps de refaire des forces. Il reste 80 km. Fait que quand je repars, je troisième parce que Sébastien est encore là, puis finalement Guillaume est jamais reparti. Fait que je pars, puis là je longe l'autoroute jusqu'au sentier des Caps. On a une couple de kilomètres à faire.
Puis au moment où je rentre, sentais les caps. Je repogne un high, là, mais j'avais encore jamais vécu ça. J'ai 80 kilos d'impact. Puis à ce moment-là, je me sens comme si je commençais la course. Puis toute la portion sentier des câbles jusqu'à temps qu'on arrive au rafting, qui est comme à moitié, maison de la Mestachibo, où que ça commence à devenir vraiment technique, là, entre Saint-Féréol puis le Mont-Sainte-Anne. Jusque-là, là, je roulais, là. C'était l'enfer, comme si je commençais ma course. À ce moment-là, je me suis même dit, Christy, si ça va bien de même, là, je pense que je suis capable de revenir ces leaders. Fait que je continue ma course, puis ouais, là, je parle du rafting, mais c'est parce que normalement, quand t'arrives, il faut traverser la rivière, ben, il y a un pont suspendu, mais le pont, il était arraché à Noël, à cause que l'eau est montée vraiment haute avec le courant pendant l'hiver, puis le pont a complètement cédé. Fait que c'est un rafting qui nous traversait. Un rafting, puis il était comme accroché après une tyrolienne. Puis il était embarqué dans le bateau avec une veste de sauvetage, il poussait le bateau, puis l'autre bord, il y a du monde qui tirait, puis c'était vraiment pas long, là, tout le processus prenait peut-être 1 minute, là, mais moi j'arrive là, puis là, hey man, les gars étaient full motivants, puis t'es deuxième, je dis, ouais, je suis deuxième, il y en a un qui a arrêté, il dit, ouais, il y en a un qui a arrêté, il avait mal à un genou, je sais pas trop. Fait que finalement, c'est Jérôme Bresson qui était le prochain à tomber au combat. Mal à un genou, peut-être, mais il est parti vite. Il est parti vite, puis il est très bon, hein, Jérôme Bresson, mais. T'sais, même Mag, elle me disait, il passait au ravito puis il avait pas l'air si fresh que ça. Là. Fait que moi ça va bien. Là, il m'embarque dans le bateau, moi je tripais, puis tout. Moi je pensais, hey, je me sentais en sécurité, man. Deux gars dans le rafting avec moi, et finalement, man, il t'embarque, puis il te pousse, puis t'es tout seul de là. Puis là, il te traverse l'autre bord, puis le monde, les bénévoles, puis tout, ils étaient tellement. Eux autres, c'était les professionnels, là, mais les bénévoles au ravito puis tout, ils étaient tellement chill, t'es vraiment tellement de fun. J'avais tellement de fun au ravito avec eux. Là. Fait que là, j'arrive, je fais ma Mestachibo, puis la Mestachibo, là, cette portion-là, commence à être corsée, là. Il y avait un nid d'abeilles, il y a beaucoup de monde qui ont été piqués pendant la course, là. Je savais à peu près dans quel coin ils seraient, puis j'ai fait vraiment attention, fait que je me suis pas fait piquer. Parce que je pense qu'il était dans le coin que je pensais. Puis j'arrive au ravito de Mestachibo, j'arrête là, j'avais de l'énergie, puis je jase avec le monde du ravito, me prendre de la bouffe et tout. Puis je prends du coke, je commence à prendre du coke, pardon, parce que j'avais peur que l'énergie tombe. Je repars, finalement je me rends jusqu'au Mont-Saint-Anne, mais à Mestachibo, au final me rentrer dedans un peu. Fait que j'arrive au Mont-Saint-Anne, je commence à être fatigué. Fait que gros ravito, mais là il y a mon père qui est là, mon père avec Marie-Josée, son ami, il y a Mag qui m'attend, puis c'est un gros ravito aussi où ce que le monde prenne le temps d'arrêter, parce qu'après ça tu repars, puis tu montes le Mont-Saint-Anne 1 fois et demie. Puis il te reste encore 56 kilos de course à faire. Au total. Fait que moi je m'arrête. Je refais des forces. Je prends mes petites patates pis tout. Mon père a mis une vidéo à ce moment-là. Puis là je repars. Puis je pensais qu'on montait toute la crête, moi, toute dans la crête. Mais non, on monte, dans le fond, l'escarpé. Puis on finit dans la crête. Fait que. Mais ça change rien. Et Sébastien, il me suivait encore. Il arrive au Mont-Saint-Anne après moi. Mais il repart avant moi. Fait que je me suis dit, ah, oh, c'est pas grave, je vais aller chercher là, dans la crête, il n'y a pas de trouble. Puis là, il part avec sa copine parce qu'on avait le droit d'épaisseur. Tout le monde qui court avec nous à partir de Mont-Saint-Anne. Moi, je l'ai fait sans épaisseur. J'avais ma supporter, qui était ma copine, mais j'avais pas d'épaisseur sur le parcours, j'en voulais pas. J'ai même trop de tête de cochon pour ça, mais je serais pas endurable. Je me pognerais avec mon épaisseur. Fait que je repars derrière eux, puis finalement, j'ai dépassé en montée. Puis au final, je le savais pas, mais j'ai fait le troisième meilleur temps dans montée, puis j'ai eu un cadeau après ça pour la course là, de Exact Nutrition pis tout. Fait que je me rends en haut, j'arrive au ravito, ils font un deuxième check-up de matériel, je reprends de la bouffe et tout, puis là on avait une loop à faire dans la montagne. Fait qu'on redescend une partie, puis on remonte par les Pionniers. Fait que c'est comme une boucle de 5 km qu'on a à faire, qui redescend comme à moitié de la montagne, puis qu'on remonte. Fait que c'était ça rentrait dans les jambes quand même. Là. 1 fois et demie de Mont-Saint-Anne, les bonnes montées et tout. Je me ravitaille 2 fois au ravito. Fait que une première fois, puis après 5 km, un autre ravitaillement. Je reprends de la bouffe. J'avais pas trop faim, mais je reprends pareil. Puis je m'assure que mes gourdes sont pleines. Puis là, on s'en va à l'auberge du fondeur. Fait que là, j'ai. À ce moment-là, t'as peut-être encore, je sais pas. 40 quelques kilos, en tout cas, à faire.
sur ta course. Certain. Ah ouais. Un bon, ouais. Peut-être 45, mettons. Fait que je repars, sauf que là, mes genoux, quand même, ça me fait mal. Puis là, ça, c'est important parce que c'est ça que j'ai joué sur la fin de la course, puis qu'il m'en a fait arracher beaucoup. Mes genoux commencent à me faire mal. Oh fuck. C'est pas les genoux qui me font mal. C'est les tendons qui viennent s'attacher de chaque bord du genou. Le tendon de la bandelette. Puis l'autre bord, je sais pas à l'intérieur du genou c'est quoi, mais hostie que ça commence à me faire mal. Puis c'est en descendant que ça faisait mal. Puis quand on repasse du Mont-Saint-Anne, on repasse du Raveto, on descend la Libéris. C'est à peu près la portion la plus à pic que t'as du Mont-Saint-Anne. Fait que pas vraiment capable de descendre. Fait que je me dis, Christy, ça me fait mal en descendant, mais ça me fait pas mal en montant. On va descendre à reculons. C'est ça que j'ai fait. J'ai descendu une partie à reculons. Hein. J'avais l'air smart dans mon osé. Fait que je me dis, écoute, après ça, il n'y a plus de bout vraiment à pic dans la course. Fait que je devrais être bon pour m'en tirer. Fait que là, je pars, je descends ça. Je finis par me rendre. Puis là, je fais un bout. Là, je connais la boucle rendue là, mais j'ai plusieurs kilomètres à faire avant de me rendre à l'auberge fondeur. Puis j'arrive à l'auberge fondeur, et là, surprise, il n'y a pas juste ma copine, ma mère est là avec ma tante, mon oncle, je m'attendais pas à les voir. Puis mon oncle, qui est comme, il a marché 1 km avant le ravito pour me voir, puis là, je le vois dans le bois, puis je le reconnais au loin, mais tu sais, j'étais pas sûr, là, je m'attendais tellement pas à le voir là, puis tout, puis là, finalement, je le vois, puis il me dit, « Hey, tu t'attendais pas à voir un gros ours de même dans le bois, puis tout? » Puis là, il dit, va-t'en ravito, là, il y a du monde qui t'aime, là, qui t'attend, là. Fait que là, ça m'a vraiment craqué. Fait que j'arrive à l'auberge fondeur. Je suis brûlé, là. Je suis fatigué, puis j'ai mal aux genoux. Mais là, j'étais un petit peu émotif, là. Là, je vois ma famille, puis tout. Puis là, j'ai collé là un petit peu, là. J'ai pris de la bouffe, j'ai pris le temps de m'asseoir. Puis là, je me suis dit, il faut que je change de soulier. Depuis le début, j'avais les Summit. Puis les Summit, là, c'est des souliers de trail, mais c'est un peu l'équivalent d'un 1400. Vous connaissez les 1400, là, ceux qui courent pas mal? C'est des souliers, c'est des racers, là. Tu sais, c'est fait pour faire de la vitesse, puis c'est pas ce qui est le plus absorbant. Puis là, j'étais tanné, là. Je trouvais que ça cognait dur. J'avais amené des Altra. Puis des Altra qui ont pas de. Ils ont pas de drop. Puis c'est plus doux. Tu sais, c'est comme plus coussiné. Fait que j'ai changé de soulier. J'ai mis mes Altra. Puis je suis reparti. Ça t'es dur de repartir là. Je commence à manquer d'énergie pas mal là. Fait que là, à partir de là, mes stratégies nutritionnelles là, j'étais rendu un peu de la merde là. Tu sais, tu commences à être fatigué, tu réfléchis plus trop, je mangeais plus constamment. Il y avait des affaires qui rentraient pas assez, mais j'aurais dû me forcer. Fait que j'ai fait des gaffes nutritionnelles, j'ai fait des gaffes au niveau de l'hydratation aussi. Ça commençait à être moins bon mon affaire pas mal. Je manque encore d'expérience. Puis mes genoux me faisaient mal là. Fait que là, mais je repars. Puis, il me reste 36 km à faire sa course. Puis là, il faut que je me rende à la station Saint-Hilaire. Puis pendant la route, là, j'ai, je sais pas, une douzaine de kilomètres à faire. Toute lâche, là. Les genoux, je suis plus capable. L'énergie, j'en ai plus. Je suis rendu à un moment là où c'est fini. Je me rendrai pas jusqu'au bout, tout bad. Je suis plus capable de courir. C'est plate, mais première expérience sur un ultra, je me dis, sur un 160, je me dis, j'ai encore des croûtes à avaler. Mais là, je me dis, faut que je me rende au prochain rêve tour, j'ai pas le choix. Parce que je peux pas rater ici. Puis en même temps, je me dis, Christy, je suis deuxième, c'est la course. Je vois-tu vraiment abandonner une course où je suis deuxième, tu sais. À la limite, je le finis en marchant, là, puis ça serait pas grave, tu sais, on a 39 heures pour faire la course. Je suis sur un pace de le finir en 23 heures. Mais tu sais, hey, je suis mort là. Fait que je me dis au moins me rendre jusqu'au prochain ravito. Si j'abandonne, j'ai pas le choix de me rendre anyway. Fait que je continue puis je fais un. Honnêtement, je fais un bout en marchant. Là. Vraiment, j'essaie de courir, mais c'est dur, dur, dur. Finalement, j'arrive au prochain ravito, puis je me dis, il va y avoir un physio, là, ils vont me taper les genoux, tu sais, puis tout. Mais j'arrive au ravito, c'est un tout petit ravito. C'est deux messieurs qui sont là, puis je suis découragé. Là, je pensais que j'avais une boucle à faire de 7 km. Tu reviens au ravito, puis après ça, là, pour retourner au fondeur, je pensais que j'avais 10 km à faire. Je me suis dit, ça tiendra jamais. Oublie ça. Mais j'arrive là, puis j'étais sur le point de dire, écoutez, c'est fini pour moi. Et il me dit, fait que là, t'as une boucle de 7 km à faire, puis après ça, t'en as 6 pour te rendre au fondeur. Là, je fais,
Ah, 6, pas 10, 6. Et je me dis, ah, ouais, ça va tenir. 6, ça va tenir. Puis en plus, ma blonde va être là. Ma famille. Ben non, je savais pas que ma famille serait là, mais finalement, il était là. Mais en tout cas, bref, je pense à ma blonde, je me dis, ah, ouais, elle m'attend, puis tout. Puis après ça, il va rester juste 10 kilos pour finir la course. Ouais, ça va tenir. Puis eux autres, là, il y avait de quoi à leur ravito, là, qui m'a sauvé la vie. C'était des boules de riz. Ça, là, ça te tient plus que les patates. Fait que, pogne des boules de riz, on repart. C'était un hostie de faux plat montant pendant un bout. Je suis pas capable de courir là-dedans. Je faisais comme la marche rapide. Sauf qu'après ça, quand on retourne de bord, le faux plat descendant, et là, je reprends du rythme. Puis là, je recommence à courir. Mes genoux tiennent le coup. Puis là, je rentre. Ah, oh, man. Croise un orignal. Un hostie de gros orignal, là. J'étais comme, oh man, shit, ben j'ai fait un saut, puis l'orignal aussi a fait un saut. Puis là, je me dis, hey, c'est quand même un animal sauvage, ça. Je voudrais pas qu'il me charge, là. Fait que là, je ralentis. Puis là, je l'entends, il rentre dans le bois, il me check, là. Fait que là, finalement, je passe, puis je recommence à courir, puis je l'entendais dans le bois, là. C'était quand même cool. Puis là, il commençait à faire plus noir, par exemple. La nuit commençait à tomber. Puis, je rentre en forêt, puis, hey man, c'était interminable, c'était 7 km-là, finalement c'était 8. Mais c'était interminable. À un tel point qu'encore une fois, moi je pensais que je m'étais perdu. Puis perdu, là. Fait que, commence à faire noir, je suis perdu, je pense. Je me dis, Christy, là, je suis perdu dans le bois, la nuit tombe, mais je tombe en hypo aussi, moi. Fait que là, j'ai commencé à avoir peur. Puis parce que j'ai eu peur, l'adrénaline est remontée, puis je me suis remis à courir, là, comme si la course commençait, là. Fait que là, je me suis dit, ah ben, au moins, ça va payer si j'avais sur la bonne track. Puis finalement, j'étais sur la bonne track, et j'étais arrivé au ravito, là, à une solide vitesse, là. Puis là, mais là, je suis comme, oh fuck, je suis pas à la même place, man, parce que les deux petits messieurs sont pas là, là. C'est genre quatre gars qui viennent de starter un feu, qui sont sur la bière, qui sont sur le party. Puis là, il me dit, ouais, t'es au bon ravito, man, c'est parce qu'on a fait le changement, il avait fini le chiffre, eux autres. Fait que là, c'est lui qui est arrivé pendant que t'étais dans la boucle. Les gars sont sur le party, là, ils me motivent à fond. Ils disent, oh, hey man, t'as juste 6 kilos à te faire pour rendre au fondeur. Après ça, c'est 10, man. Pis t'es sur la coche, t'es vraiment rapide, pis tout. Hey, là, t'as-tu besoin de quoi, là? On a ça, on a ça. Il dit, tu veux-tu de la bière? On a de la bière. Là, il dit, dis-nous une toune, là. On va te mettre une toune, t'as motivé, pis tout. Fait que là, finalement, non, c'est beau, là. Là, je m'assois à terre. Un peu pour relaxer. Puis je sors ma frontale. Puis c'est bon. Puis là, ils me disent, il y a un autre gars qui est dans boucle en ce moment. Fait que le troisième était dans boucle. Puis là, quand je repars de là, là j'ai 6 kilos à faire. Puis le gars il me rattrape, ça a pas été long, mais là, il a plus de vitesse que moi. Là. Fait que à ce moment-là, puis lui, je l'avais pas vu de la course. C'est un gars que. Il nous a suivi tout le long, mais sans jamais nous dépasser, mais il m'a dépassé à ce moment-là. Puis le 6 kilos a quand même passé vite. Je me suis rendu jusqu'au fondeur. Mais tu sais, c'est ça. Là, j'étais rendu sur le coke. Puis je mangeais mes boules de riz. Puis j'étais sur le coke. Puis ça a tenu. Puis là, j'arrive au fondeur. Je vois ma famille. Je vois ma blonde. Puis tout. Puis... Mais là, j'ai mal aux genoux. Hey man, j'ai mal aux genoux. Dès que ça descendait un petit peu, là. Ouais, là, c'était tough. Puis j'arrive là. Puis je savais qu'il y avait un physio. Dès que j'arrive, je dis, hey, j'ai besoin d'un physio, j'ai besoin d'un physio, là, ça a plus de bon sens, puis, en même que ça me faisait peur, dans le fond, moi, j'avais peur que mes genoux, ça scrappe, là. Puis je me disais, man, si mes genoux sont scrappe, là, je peux même pas travailler, là, après ça, là, pendant combien de temps je pourrais pas travailler, puis tout, puis tu commences à penser, Christy, des choses à payer dans la vie, tu sais, là, tu dis, est-ce que je suis mieux d'arrêter, tu sais, avant de vraiment me scraper pour un méchant bout, tu sais. Fait que là, j'arrive là, je dis ce que j'ai, puis tout, elle me dit, je vais te faire un taping. Ça devrait être un plan en même temps. Je me dis, Christy, j'étais à 10 kilos de la fin, man. Je vais le finir, man, quand même. Je finirai à quatre pattes, moi, le finir. Fait que je me fais faire un taping. Là, ma famille est là. Puis là, ça me motive. Je repars. Là, je suis troisième. Puis je me dis, Christy, je pense que je suis même capable d'aller chercher. Fait que je pars. Ben, je passe vraiment sur un gros pace, un gros train d'enfer. À ce moment-là, je me dis, ah, ça va tenir, ça, cette pince-là, jusqu'à la fin. Ça n'a pas tenu. Ça fait 2 kilos. Je rentre dans le bois, puis aussitôt que ça commence à descendre, j'ai mal, 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 mal. Fait que je descends vraiment tranquillement, je descends une partie reculons, puis là, on longe la rivière en tout là, puis là, hey, là, je courais comme un petit pépère, puis en plus, à ce moment-là, il y a du monde qui sont sur le 110, il y a du monde qui sont même sur le 12 km de nuit, fait que t'avais du monde qui roulait vraiment, tu sais, qui passait.
Puis c'est pour vrai là, il était temps que ça finisse. J'avais vraiment vraiment mal. Il était temps que ça finisse. Puis maintenant on traverse la rivière, puis l'autre bord t'as une butte qu'il faut remonter, mais une butte vraiment à pic là. Mais je l'ai monté à quatre pattes. La butte. C'est tout ce que je pouvais faire. Yeah, c'était ça le moyen. J'ai monté vraiment à quatre pattes. Fait que tu sais, quand on dit que j'ai fini à quatre pattes, là, c'était pas loin de la vérité. Puis finalement, je me relève de là. Puis j'ai été capable de me rendre jusqu'au fil d'arrivée. Puis là, il y avait ma blonde qui était là, mon père avec son ami, ma mère qui était là, mon oncle, ma tante, la soeur à Mag était là. Il y a même des amis à Magali qui étaient là et tout. Fait que j'ai franchi la ligne, puis Ah, si c'était à refaire, je pense que je prendrais plus de temps avant de franchir la ligne. J'en profiterais davantage plutôt que de plancher comme j'ai fait. Mais passe la ligne, puis c'est fait, c'est fini. Je suis troisième. Je suis vraiment content. Je me suis rendu jusqu'au bout. J'ai épuisé jusque dans mes derniers retranchements pour me rendre, mais je me suis rendu. Fait que aussitôt que j'ai passé la ligne, plus capable de marcher. J'ai mis un genou au sol, puis quand j'ai voulu me relever, plus capable de marcher. Mag, elle m'a aidé à aller m'asseoir sur une chaise. J'ai vu un physio tout de suite qui m'a rassuré sur mes jambes. Il me dit, écoute, c'est inflammé vraiment, là. Mais c'est ta bandelette, puis l'autre affaire, on savait pas trop c'était quoi, mais il dit, une couple de jours, ça devrait revenir. Mais il dit, c'est pas tes genoux, t'es inflammé au niveau des tendons. Fait que ça me rassure. Puis là, je regarde mon père, puis je dis, je fais ça comme ça. Ça veut dire couverte bouillon. Mon père il prépare toujours ça parce que je tombe en hypothermie après mes courses. Sauf que là ils mettent ça sur le dos. Mais puis là on se dit ben là on restera pas. On était juste à côté de l'arche là, dans la place où les coureurs ils mangent après la course et tout. Mais là fallait que je sorte de là. Plus capable de me lever, c'est fini. Fait que ils m'aident, ils m'emmènent à une table. J'ai les couvertes sur moi et tout. Puis là on jase, je prends mon petit bouillon. Sauf que ça revenait pas. Puis plus ça allait, puis plus j'étais Je me sentais mal. Finalement, j'ai dit, hey man, faut qu'on fasse de quoi, appeler l'infirmerie. Mais moi, faut que je rentre en dedans. J'ai froid. Il ventait un peu, puis j'étais pas capable de me réchauffer. J'étais vraiment en hypothermie. Mais j'étais plus capable de me lever, j'étais plus capable de marcher. Fait que finalement, ils sont venus me chercher en quatre roues. Puis ils m'ont pris dans le bras. Ils m'ont pris dans le bras, ils m'ont assis sur le quatre roues, ils m'ont descendu à l'infirmerie. Ils m'ont débarqué de quatre roues, ils m'ont mis sur une chaise roulante. Puis là, ils m'ont rentré, puis ils m'ont couché sur le lit. Puis là, j'étais au chaud. Fait que là, ça m'a aidé à reprendre le dessus. Puis ils m'ont mis un masque oxygène pour me redonner les couleurs un peu. Puis là, j'ai rencontré le directeur médical, Steve Parent. C'est lui qui s'occupait de moi. Qui est un gars d'ultra, qui a beaucoup d'expérience. C'est un pompier, mais ils ont leur cours, eux autres, dans le fond, le premier soin et tout. C'est lui le directeur médical, puis... Et on commence à jaser, puis ah, il dit, c'est gros ce que t'as fait, puis tout, mais, tu sais, là, il me parle un peu de son expérience, puis il commence à me donner plein de conseils pour les prochains ultras et tout, puis il me rassure en même temps sur mes genoux. Puis ça a été vraiment une rencontre que finalement, je suis content d'avoir eue. J'ai quasiment en admiration devant lui, tu sais. Fait que j'ai pris note de tous ses conseils, puis on s'est ajouté sur Facebook, puis il m'avait dit... tu me donnerais des nouvelles, tu sais. Il dit normalement tes genoux, là, demain tu seras capable de marcher. Mardi ça va de moins pire. Il dit mercredi tu sentiras quasiment plus rien de tes activités quotidiennes. Mais il dit si dans 10 jours t'as encore des douleurs, faut voir que tu consultes. Finalement il avait raison. Hier j'ai été travailler puis je sentais quasiment plus rien, puis encore aujourd'hui c'est encore mieux. Fait que je vais lui donner des nouvelles la semaine prochaine, mais d'après moi, la semaine prochaine, je recommence à courir. Là. Fait que ça va vraiment bien. Fait que la récupération se passe super bien. Puis au final, je suis vraiment content de ma course. Puis de comment ça s'est passé malgré tout. Je me suis rendu jusqu'à la fin. Fait que c'était assez important. Puis une troisième position. C'était ceux qui tiennent au bout jusqu'à la fin, finalement, qui se lassent la vie. Fait que ça a été super agréable de vivre ça aussi avec ma copine qui était vraiment une supporter à sa coche. Fait que qui savait quoi faire, mais qui le sait encore plus pour les prochaines courses. Fait que voilà, je pense que ça fait pas mal le résumé. Je pense pas que j'ai rien oublié. En tout cas, si j'oublie de quoi, je posterai une vidéo. Mais c'est ça, fait que ça a l'air un peu cassé, mais le lendemain ou le surlendemain, je pense déjà que je pensais déjà à la prochaine course.
Puis ça peut être un petit peu plus tôt que prévu, là, mais on va voir. Ça va prendre un avis de Steve Parent avant. Je vais écrire la semaine prochaine. Mais on verra. Ça va peut-être venir assez vite la prochaine. Fait que je donnerai une nouvelle. Donc voilà, ça a été une nouvelle belle aventure, belle expérience. J'apprends beaucoup. Je suis encore novice sur cette distance-là. C'est encore nouveau. Mais je pense que je vais progresser. Fait que je vais continuer. Puis en même temps, s'il y en a que ça inspire, en passant, c'est à Ricana en septembre, dans un mois. Ma mère fait le 5 km, ma soeur fait le 10, mon père est supposé faire le 5. Ma famille commence à courir. Je finis par les avoir. Fait que j'ai vraiment hâte. C'est sûr que je vais donner une nouvelle de ça sur le groupe. Je vais lui mettre un peu de pression. Donc voilà, encore un gros merci de m'avoir suivi. C'est ça. Il y a plein de belles autres courses à venir. Hein, ça devrait être de mieux en mieux. Alors voilà. Merci. Ciao.